Next stop, Geneva Airport. Just wasn't meant to be. Bon, Prague est une très belle ville. Tu sens vraiment que c'est une ville très importante au milieu du Saint-Empire romain germanique. On s'est acheté une petite carte, Prague Card, qui permet de rentrer un peu partout gratuitement. Et demain matin, on ira au château. Ensuite, on va aller sur une colline. Ensuite, on va se balader de nouveau. Bon, ça fait 4 heures qu'on tourne en rond dans ce maudit château. On a tout vu, on a faim, on a très faim. Faim, j'ai toujours faim. Moi, j'ai très faim. Je vais déjà prêter un doigt. Voilà, je vais prêter mes 5 doigts, c'est tout ce qui reste. Pour dire que ce château est quand même sacrément beau, hein. On a vu des attrape-couillons à tous les coins de rue. Mais sinon, la cathédrale vaut la peine. C'est très impressionnant, très très beau. On aime beaucoup. On sort à l'instant du musée de l'alchimie de Prague. En gros, c'est un musée qui traite de l'alchimie à Prague au 16e siècle. Parce que c'était une capitale très importante avec Rudolf II. Et ils ont découvert ça avec les inondations de 2002. Ils ont découvert tout un système de pièces en bas où les gens venaient faire leur... Enfin, les gens, c'était secret. Ils venaient faire leur alchimie. Et c'est un peu... Genre, t'es sous terre et tout, c'est tout petit. Et moi, c'est le genre d'endroit que j'aime pas trop. Bon, ça va, je m'attendais... En général, c'est le genre d'endroit qui fait peur. Oui, t'as un truc à la fin qui te dit bah comme ça et puis qui te fait peur. Mais là ça l'est, donc si vous êtes à Prague, venez, c'est assez sympa. Et maintenant on va aller manger, parce qu'on a mangé des chips et un KFC. Et puis en fait on a voulu manger quelque chose de correct. Alors on va essayer de se trouver quelque chose de correct.